Sainteté, sainteté, je désire. Sainteté dans ma vie. Oh, sainteté, tu cherches en moi une vie de sainteté, de sainteté. Tu vas inviter Mape, l'homme de Dieu, l'évangéliste, Maobame, qui va nous présenter Kakara, son discours d'ouverture. Nami. Homme de Dieu, évangéliste, Maobame, vous êtes invité. Mi. Alléluia, acclamons pour le Seigneur des Seigneurs, apoto. Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth, Nazareth le nom que j'aime. Le nom que j'aime. Le nom qui me donne la joie. Le nom qui me fortifie. Le nom qui me restaure. Le nom qui sauve. Le nom qui guérit. Le nom qui élève. Gloire. Gloire. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Minani. Peuple de Dieu. Ma joie est si grande ce matin. Pour votre mobilisation massive pour venir écouter la parole de vie, la parole vitale. Peuple de Dieu, je vous le dis en vérité, ceux qui aiment la vérité, c'est ceux-là qui seront sauvés. Parce que c'est en écoutant la vérité, en connaissant la vérité, que la vérité affranchira les uns et les autres. Mais ceux qui ne veulent pas écouter la vérité, ceux qui ne veulent pas s'approcher de la vérité, ils seront dans les ténèbres de l'ignorance. C'est la vérité qui produit les miracles de Dieu. Si vous ne connaissez pas la vérité et vous courez derrière les miracles, vous allez tomber dans les miracles magiques. Et vous connaissez comment la magie fonctionne. Alors, peuple de Dieu, je bénis vraiment le Seigneur pour chacun de vous qui avez fait le déplacement pour ce programme. Vous avez abandonnez vos occupations. Beaucoup ne sont pas allés au service. Beaucoup ont demandé des congés pour ce programme. Parce que vous avez cru à la vérité. Et vous voulez connaître davantage sur la sainte doctrine. Ce mot qui existe dans la Bible, mais qui est rarement mentionné, or toute la parole se repose sur la sainte doctrine. Mais voilà, les hommes de Dieu de ce siècle en parlent peu.
Parce que ça ne rapporte rien. Il préfère parler des pensées, financières, les voyages, les mariages, les prophéticos. Il préfère parler beaucoup de ces choses. Et il boycotte la sainte doctrine et son contenu. Or, notre Seigneur Jésus, tout le temps qu'il a passé sur terre, il a travaillé rien que sur la sainte doctrine. Enseigner comment marcher pour ne pas rater le ciel. Comment vivre pour être proche de Dieu. C'est sur ça qu'il a enseigné. Les apôtres qui l'ont relayé, ils ont travaillé dans le même pas. Ils ont observé exactement ce qu'il avait fait. Ils ont mis leur pas dans ses pas. Et eux aussi, en faisant de Jésus leur modèle, nous aussi, nous devons faire de notre modèle. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Peuple de Dieu, je vous le dis en vérité, en vérité. Ce qui manque dans ce siècle, ce n'est pas le miracle. Si c'est le miracle, même au Togo ici, il y a plein de serviteurs de Dieu qui sont ouin. Qui ont de grandes renommées, même authentiquement, qui ont de grandes renommées. Même hier, je suis tombé sur un. J'ai vu ces vidéos. Ça n'a rien de satanique. Mais quand je vois les brebis qui sont devant lui, qui sont dans les choses du monde, mais qui sont venus chercher leur miracle, je me suis posé une seule question. Je dis, Seigneur, si ce n'est pas la sainte doctrine que nous devons aller au ciel, et voilà l'heure qui sonne. Où nous sommes dans les dernières secondes. Où la trompette va sonner. Et il y a encore cette foule-là. Je vous dis, des milliers de personnes. Mais que sont juste venus pour miracle. Seigneur, et si tu peux toucher le cœur de cet homme pour qu'il accepte même prêcher la moitié au moins une partie de la sainte doctrine, ne serait-ce que le dépouillement, est-ce que ce ne serait pas bon? Ça me fait pleurer, peuple de Dieu. Et si nous aimons le Seigneur et nous voyons le chagrin qu'il éprouve en voyant ses brebis dans l'ignorance, en voyant son peuple mourir dans l'ignorance, nous devons vraiment partager ce chagrin avec lui. Nous devons partager cette douleur avec lui.
et faire quelque chose à notre niveau pour changer les choses. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que nous a inspiré que nous n'allons plus nous limiter dans les quatre murs de l'église pour dire nous allons enseigner seulement la sainte doctrine à l'église. Mais il faut que nous la portons maintenant dehors. Il faut que nous la menons maintenant dans les rues. Il faut que nous organisons désormais des conférences publiques pour inviter les chrétiens de toute obédience confondue, de toute dénomination, pour percer les murs des écrits de la voie large, pour que la sainte doctrine puisse commencer par rentrer. Et c'est ce que le Seigneur nous a inspiré pour organiser cette conférence au Togo ici. Et je bénis vraiment le Seigneur qui a utilisé les grands moyens pour que cette conférence puisse tenir. Alléluia. Et je salue tous les frères et sœurs qui ont répondu présent à cette conférence. Je vous le dis en vérité, en vérité. Vos âmes seront des grands bénéficiaires. Vous ne regretterez pas. Et derrière cette conférence, vous devez aussi travailler pour propager la sainte doctrine au-delà des églises. Jésus revient. Nous devons vraiment travailler pour que maximum de personnes soient atteintes par la sainte doctrine. Je vous le dis en vérité, en vérité. Si le peuple ne connaît pas la vérité, si la vérité n'est pas totale, il n'y a pas possibilité d'entrer au ciel. Il n'y a pas de traitement de faveur au portail du ciel. Il n'y a pas de traitement de faveur. Le traitement de faveur, c'est sur la terre. Tu peux être le plus grand criminel de ce siècle. Si tu acceptes Jésus et tu confesses et tu te répands, tu es pardonné. Tu dois t'engager maintenant dans la vie de la sanctification. Mais quand après ta mort tu vas dire: ah Seigneur, mais dans mon église on ne m'a pas dit ça, dans mon église on ne m'a pas enseigné ça, on va te rappeler que on ne t'a pas enseigné, mais c'est écrit dans la parole. Alléluia. Amen. Lorsque vous commencez, vous commettez une infraction et le policier vous attrape, on vous amène devant le juge. Vous n'allez pas dire devant le juge: oh juge, mais je ne savais pas que ça c'est dans la loi. Alléluia. Amen. C'est trop tard. C'est ça le dicton qui dit: nul n'est censé ignorer la loi. Donc pareillement, nul n'est censé ignorer la sainte doctrine. Que ça soit chrétien, que ça soit berger, nul n'est censé ignorer la sainte doctrine. Donc tout le monde doit s'imprégner. Et comme il n'y a pas beaucoup d'intérêt, d'engouement pour ça, le Seigneur nous a confié cette mission. Cette mission de faire connaître la volonté parfaite de Dieu à toute l'humanité, à
à tous les chrétiens, même à tous les païens. Et alors, en ce jour, personne ne dira, je n'ai pas été informé. Alléluia. Amen. Donc voilà pour cette conférence. Le thème en dit long. Le thème en dit long. Connaître les exigences de la sainte doctrine et le retour de notre Seigneur Jésus. Nous devons connaître dans les moindres détails les contours de la sainte doctrine, les points clés de la sainte doctrine et comment y marcher, comment vivre la sainte doctrine. Et comment aussi faire connaître aussi la sainte doctrine aux autres. Nous allons travailler sur tout ça là. Et maintenant, la sainte doctrine en rapport avec la préparation pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment pouvons-nous marcher dans la sainte doctrine en nous préparant pour le retour du roi des rois? Le dernier sujet qui doit occuper tous les cœurs en cette veille du retour de notre Seigneur, c'est comment me préparer. Quel est l'état de mon âme, l'état actuel de ma robe? Qu'est-ce que je dois faire pour que quand la trompette va sonner, moi-même je puisse être enlevé? Et en dehors de moi, aider mes proches, aider ma famille à être aussi enlevé. En dehors de ma famille, aider même ceux qui ne connaissent pas Dieu, leur faire connaître Dieu et sa volonté pour les aider aussi à partir. En dehors de ça aussi, même aider mes ennemis, ceux qui me combattent, ceux qui s'opposent à moi, les aider aussi à gagner le ciel. Donc voilà, peuple de Dieu, ce travail est profond. Et chaque jour, nous voyons l'importance de cette mission que le Seigneur nous a confiée. Vous-même, vous comprenez pourquoi nous devons être vraiment combattus. Parce que nous travaillons dans un monde dirigé par le prince de ce monde qui ne supporte pas la vérité, qui ne supporte pas les choses de Dieu, qui veut que toutes les églises soient dans la compromission. C'est-à-dire, on accepte d'utiliser le nom de Dieu, mais on ne veut pas accepter les choses de Dieu. On utilise seulement son nom pour faire de l'argent. Le Seigneur veut que cela cesse. Et le Seigneur voit aussi que beaucoup de ses enfants ont vraiment envie d'aller au ciel. Ça, je le sens. Je vous dis, beaucoup de ses enfants veulent aller au ciel. Et ils prient et ils cherchent. Seigneur, Seigneur, je veux un vrai serviteur ou bien une vraie église, une vraie communauté qui est totalement dans la vérité. Seigneur, je ne veux pas rater le ciel. Et effectivement, quel que soit le nombre de fois qu'ils ont été déçus, quand ils retrouvent la vérité quelque part,
Il s'y engage encore. Et arrivé à un moment, il voit encore que ah, celui-là, c'est encore faux. Ah, Seigneur, oriente-moi. C'est pas facile, je vous dis la vérité. C'est un combat. Mais je bénis le Seigneur qui a suscité vraiment ce réveil. Et ceux qui ont fait ce combat pour chercher la vérité et qui ont trouvé le groupe Jésus revient, beaucoup sont convaincus que vraiment c'est la fin de leur combat. Si on les démontre encore maintenant que le groupe Jésus revient n'est pas dans la vérité, là finalement c'est comme on leur dit la vérité alors n'existe pas. Peuple de Dieu, la vérité existe. Et nous, comme vous, nous avons aussi cherché la vérité. Et nous avons pris beaucoup de temps pour sonder les églises, les pasteurs, dans toute leur diversité. Je vous dis, moi, je suis monté sur les réseaux sociaux vers 2011 et j'ai pris vraiment de temps pour chercher ce qu'on appelle les serviteurs de Dieu, sonder ce qu'ils prêchent. Je vous dis, et vraiment en résumé, j'ai vu que il y a beaucoup trop d'à peu près. Tu vois un peu de vérité avec lui, mais à côté, tu vas voir des choses vraiment. Tu le laisses. Tu vas voir un autre. Ce que tu n'as pas trouvé ici, de positif, tu vas voir de positif de l'autre côté. Mais à côté encore, oh, tu vas voir encore des choses. Et c'est comme ça, on a cherché. On a sondé, on a cherché, on a sondé, on a cherché, on a sondé, on a cherché. Et il manque toujours quelque chose. Quelque chose d'important. C'est dans cette recherche. Le Seigneur a compris ce que nous cherchons. Nous cherchons la vérité non diluée. La vérité sans compromission. La vérité authentique. Reposée sur les Saintes Écritures. Et comme le Seigneur sait ce que nous cherchons. Et comme c'est lui-même qui est ce que nous cherchons. C'est alors lui-même a commencé par se révéler à nous. Commencé par nous enseigner. Et tous les failles que nous avons noté chez les serviteurs, les serviteurs, les serviteurs, les serviteurs, les dénominations, les églises, tout ça là, il va mettre tous ses failles pour nous enseigner. Pour dire voilà, vous maintenant, vous n'allez plus travailler avec ces failles. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça, le Seigneur a commencé avec ce réveil. Peuple de Dieu, je vous le dis en vérité, en vérité. Mettez votre main sur le cœur que vous êtes enfin dans la vérité. Alléluia. Amen. Vous êtes enfin dans la vérité. Si quelqu'un vous dit non, ils ne sont pas dans. Dites-vous enfin, vous êtes dans la vérité. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ. L'authentique. Et c'est lui devant ce réveil. Donc, quel que soit tout ce que l'ennemi va lancer. Alléluia. Amen. Quand vous sortez rapidement là, oh, tu vas voir les failles toi-même. Avec le groupe Jésus revient. Le Seigneur a mis la barre très haute. Il a mis la barre très très haute. On ne néglige aucun sujet. On ne néglige aucun aspect de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Alors, peuple de Dieu, vous qui avez répondu présent à cette conférence,
Ma grande prière est qu'à la fin de cette conférence, que votre connaissance augmente. Et que quand vous serez en face d'un chrétien de la voie large, vous puissiez vraiment l'aider à comprendre que ce n'est pas encore ça ce qu'il est en train de vivre. Alléluia. Amen. Je vous dis, la vérité est dans le cœur de tout homme. Mais les ténèbres le cachent, les ténèbres le couvrent. Et quand la parole vient, ça dissipe les ténèbres. Et c'est alors les yeux s'ouvrent. On dit, ah, l'heure de la connaissance a sonné. Plus personne ne mourra dans l'ignorance. Au moins la connaissance là. Tout le monde aura la connaissance. Même le païen aura aussi la connaissance de la vérité. Maintenant, à chacun de choisir. Alléluia. Amen. À chacun de choisir ce qui veut rester dans l'ignorance ou ceux qui veulent marcher dans la vérité. Donc voilà, restez concentrés. Prenez note des sujets et par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous conduire par son esprit pour que son nom soit glorifié. Je bénis aussi le Seigneur pour la vie de tous ceux qui sont câblés sur la chaîne Jésus revient TV en ce moment, et qui nous suivent depuis leur maison, depuis leur lieu de travail, depuis leur service, qui sont vraiment attachés à la vérité et qui veulent mieux connaître sur le royaume des cieux. Je bénis vraiment le Seigneur. Nous allons faire cette prière. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, Dieu d'Abraham, Abraham, Dieu d'Isaac, Isaac, Dieu de Jacob, Jacob, tu es le très très saint. La vie, c'est avec toi. Le salut, c'est avec toi. Seigneur, il t'a plu d'enseigner ton peuple sur les fondements de la sainte doctrine, les exigences de la sainte doctrine, pour mieux nous préparer pour ton retour. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur Jésus, papa, ouvre l'esprit de ton peuple. Seigneur, ouvre nos esprits pour que nous puissions comprendre les Écritures, pour que l'ennemi ne nous manipule plus, que l'ennemi ne nous trompe plus sur des choses que nous ignorons. Seigneur, pour tes enfants qui sont ici présents et ceux qui sont à la maison en train de suivre, Seigneur, je te prie de les visiter. Je te prie, papa, que ton Esprit Saint leur enseigne davantage tout ce qu'ils vont entendre. Seigneur, notre grand désir, c'est que quand la trompette va sonner, c'est que le plus grand pécheur de ce siècle puisse être sauvé pour gagner le ciel. Seigneur, accomplis ta volonté dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia.